Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le panic buying refait surface dans les supermarchés et supérettes au lendemain de l'annonce de la ministre de l'Éducation de fermer les écoles. Avec l'explosion des cas de Covid-19 et la présence du variant Delta dans la communauté, certains multiplient les achats pour se préparer à toute éventualité. Encore deux jeunes qui ont succombé à la Covid-19 hier. Parallèlement, travailler alors que vous êtes positif au coronavirus peut vous coûter cher. Un entrepreneur de 51 ans l'a appris à ses dépens. Des officiers de la MRA confondent des bâtons d'encens avec de la méthamphétamine et placent une ressortissante nigériane en détention. Après quelques heures, cette jeune femme d'affaires a été autorisée à partir. Les examens du PESAC et du NCE se tiendront en avril 2022. Entre-temps, des mesures correctives prises pour assurer le bon déroulement des cours en ligne destinés aux élèves des grades 1 à 6, rassure le MAI. Maurice à l'honneur à l'Expo 2020 Dubaï. Des visiteurs invités à explorer le mélange parfait de perspectives de loisirs, d'investissement et d'affaires. Le comportement des Mauriciens légèrement différent depuis hier au lendemain de l'annonce de la ministre de l'Éducation sur la fermeture des écoles. Le panic buying refait surface face au nombre grandissant des cas positifs à la Covid-19 et la présence du variant Delta. Dans la communauté, la peur s'est installée. Si certains multiplient les achats depuis des semaines, d'autres ont l'impression d'être des retardataires. Dans la capitale, presque plus d'enfants dans les rues, mais certains prennent encore des risques. Reportage de Christina Nélan. Dès l'annonce de la ministre de l'Éducation, c'était le rush dans les supermarchés et supérettes. Ce matin, Salim et sa fille ont décidé de compléter leur stock de provisions. Le pont du lait, un peu grain sec, un peu manger pour un animal aussi. On fait des tout. Là, nous suffit de prendre un peu de petites choses. Nous mettons un coup de pétanque, on est arrivé dans le lockdown. Ça a un petit casque qui nous est là. Nous faisons pas pour toutes nos bonnes affaires. Parce que nous pour paniquer. Parce que la dernière fois, comme ça, même, nous paniquer. Et nous pouvons rencontrer les moyens là. Nous oublions ça qui nous est là. Nous oublions parce que nous ne pouvons pas paniquer là qui peut là devant. Des paniers remplis pour tenir presque un mois. Certains ont été guidés par peur de pénurie. Il est en mettant ça la famille peut dire mais nous avons un petit précaution toujours. Parce que la dernière fois, tu ramasses un problème, ils ont dit avec ça. C'est tout, ils ont fait l'arquer, tout ça. Pas d'empressement pour cette femme avec son époux. Elle vient tout juste de compléter les achats des items manquants. Mais nous pouvons toujours prendre de bonnes précautions parce qu'il n'est pas connu qu'il est capable d'arriver ça devant nous. Mais tu déjà comprends, on va attendre que comment dire arrive ça pour me faire. Moi déjà prendre de bonnes précautions, moi prendre de bonnes commissions, moi garder. Mais là, on peut venir, on peut checker parce que pas tu peux garder lui là, on peut trouver une gagner là, on peut venir, on peut recommencer comment dire. Prendre des bonnes affaires qui m'ont besoin. Après, là, moi, je suis sorti, nous voilà acheter encore quelque chose. Derrière son comptoir, le responsable de cette supérette prévoit d'imposer une limite sur l'achat de produits essentiels pour éviter les abus. Nous pouvons prendre, nous recommencer à stocker un peu pour nous capables de nous maintenir un maximum de choses. Disons, il y a une rupture de marchandises le marché. Il y a de l'huile qui est moins. Il y a des produits comme lait qui est moins, tout ça. Il y en a un biscuit ici, pas qu'on vienne, tout ça. Je vais débrouiller, il y a un couche qu'on dit, tout ça, mais moi, ça va. Le rappel des précautions sanitaires se fait à chaque passage des patrouilles de police. Toutefois, il y a encore des enfants dans les rues. Par exemple, oui, mon père, on prend précaution bien. Pour nos enfants. D'accord. Oui. Mais est-ce qu'on connaît, en fait, ou qui, quand il y a fait l'annonce, là, fait faire, qui ou nous pensez, Lola? Nous ne paniquons, nous ne payons. Oui. Non, mais je prends précaution bien pour les enfants. Ou qui ne prend comme précaution, par exemple. On peut voir. Non, voilà, merci. Malgré l'assurance des autorités au niveau de la situation, certains ne veulent en aucun cas prendre de risques. Ils sont persuadés qu'ils doivent se préparer au pire. Travailler alors que vous êtes positif à la Covid-19 peut vous coûter cher. Un entrepreneur de 51 ans l'a appris à ses dépens alors qu'il était recherché pour une affaire de recel. Il a été arrêté sur un chantier de construction à Pamplemousse. Les faits se sont déroulés la semaine dernière. Le
quinquagénaire a été provisoirement inculpé de Breach of Quarantine Act et de recel ce matin en cour de Pamplemousse. Il a dû fournir une caution de 10 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 75 000 roupies. Son nom a été balancé par le voleur d'une débroussailleuse et des limiers de la CID ont débarqué sur un chantier de construction où ils ont récupéré l'objet volé et le suspect leur a informé qu'il était positif à la COVID-19 depuis le 27 octobre dernier et qu'en raison des soucis financiers, il a dû se rendre sur son lieu de travail. Il risque une amende de 500 000 roupies et une peine de prison ne dépassant pas 5 ans. La liste des victimes de la COVID-19 s'allonge. Deux jeunes patients positifs sont décédés hier. Mohamed Zunaïd Biari, 25 ans, était admis à l'hôpital Victoria depuis le 9 octobre dernier où il avait contracté le virus. Selon ses proches, il avait subi une intervention chirurgicale dans une clinique de la capitale et avait été par la suite transféré aux soins intensifs de l'hôpital Victoria car son état s'était détérioré et il y a quelques jours, ses proches ont appris qu'il avait été contaminé. Témoignage de son beau-frère Yassen. J'ai fait une opération, je suis venu de l'hôpital pendant presque un mois. Je suis là-bas, la ligne. Je suis venu en deux, ça va, il y a un Covid décédé. Je suis venu un mois et demi comme ça. Le frère, je suis venu un téléphone, j'ai seulement un informat comme si mon beau-frère est décédé. Autre décès, toujours cette fois à l'hôpital G2, celui d'Ashfaq Ali Ramdian. 32 ans, cet habitant de Terre Rouge avait des complications de santé et avait été admis aux soins intensifs lundi soir. Il n'a pas survécu. Accusée à tort d'avoir commandé un colis de méthamphétamine, une ressortissante nigériane a passé injustement quelques heures en détention avant d'être autorisée à partir. Domiciliée à Flic-en-Flac, depuis quelques années, cette femme d'affaires de 28 ans était partie récupérer un colis à la poste centrale le 3 novembre dernier, loin de se douter qu'elle sera arrêtée. Kevin Schleck-Simon chez Adjadou. Une fois à la poste centrale, le chien renifleur Orage a réagi positivement à l'examen du colis qui renfermait plus d'un kilo de cristaux blanchâtres dissimulés dans 4 pochettes en papier, ce qui a éveillé les soupçons des officiers de la MRA qui ont à leur tour procédé à des tests qui avaient confirmé la présence de méthamphétamine. Ce n'est qu'hier que le rapport de là-dessous est tombé, soit 6 jours après l'interpellation de cette habitante de Flic-en-Flac de 28 ans. Les analyses ont démontré qu'il s'agissait en fait des bâtons d'encens et non de la méthamphétamine. Entre-temps, le rapport du Forensic Science Laboratory est attendu. Selon le recoupement, c'est la troisième fois que la jeune femme commande des bâtons d'encens en provenance de la Grande-Bretagne. Les détails bancaires de la ressortissante nigériane ont été passés au crible et aucune transaction douteuse n'a été constatée. Les examens du PESAC et du NCE auront lieu à la fin du mois d'avril 2022. Quant au Module Assessment, ces épreuves sont prévues pour la fin du mois de janvier. Il y aura des Common Assessment pour les élèves du School Certificate et du Higher School Certificate l'année prochaine. Toutefois, le calendrier des examens du SI et du HSI reste inchangé. D'autres restrictions seront annoncées prochainement, affirme la ministre de l'Éducation Lila Devi-Dukan-Lutschman. Elle était à quartier militaire cet après-midi. Quand vous vaccinez, non seulement vous protégez vous-même, vous pouvez protéger vos voisins, protéger la famille. Parce que là, vous trouvez finalement un nombre assez grandissant de bonnes cas dans la communauté à Maurice. Et nous, c'est à sa fin de transmission. Et c'est pour ça que vous trouvez que là, nous prenons des yeux dans l'école, de dire qu'il faut les enfants restent à casa, continuer les études. Mais pour une encore bonne mesure qui peut venir, alors je vous demande que la population reste responsable, solidaire. Et comment je peux dire, l'État a mis ce rôle, chaque dimanche vous avez agi en tant que responsable. On va me causer longtemps, mais vous êtes content d'être à faire. Quand on a du monde, vous pouvez venir dire, ah, un tas de monde, Maurice, j'ai sûr pas le faire correctement. Prenez, l'État peut faire ce maximum. Nous visons aussi des responsabilités de chaque individu. Il y a plus d'interrogations que des réponses malgré la rencontre des chefs des établissements scolaires avec le ministre de l'Éducation. Affirmation de Lindsay Thomas, recteur du collège du Saint-Esprit de Rivière-Noire. Il se dit toujours dans le flou. Moi, bien dire qu'il nous reste un peu chez nous, la fin. OK, donc nous peut attendre pour qu'il y ait une bonne information précise, réfléchie, détaillée, qui peut permettre nous attaque cette nouvelle phase dès demain dans les meilleures conditions. Mais malheureusement,
nous sommes là, ainsi qu'une plus désorientée que nous c'était quand nous rentrons. Et là, ma nouvelle disposition qui nous prend, ok, et nous pouvons attendre, gagner, une quelque chose beaucoup plus précise. Mais il se trouve que nous, le secteur privé de l'éducation, nous pouvons attendre pour rejoindre aussi les responsables de la PSEA qui brillaient par leur absence. Du côté du service diocésain de l'éducation catholique, Clive Anceline, responsable de communication du CEDEC, assure que des dispositions ont été prises pour assurer la continuité pédagogique des élèves à travers les plateformes telles que Google Classroom et Microsoft Teams. Et des mesures correctives ont été prises par le Mauritius Institute of Education pour la diffusion des cours en ligne sur la MBC pour les grades 1 à 6, garantie donnée par le professeur Vassen Naek. Vous le savez, lors du premier confinement, des manquements avaient été relevés dans les vidéos. L'acting director du MAI affirme que pas moins de 900 vidéos ont été produites depuis juin dernier pour les différentes matières, notamment pour l'anglais, le français, les mathématiques et l'histoire géo, entre autres. La campagne de vaccination destinée aux collégiens de 15 à 17 ans reprend normalement demain selon le calendrier établi. Les chefs d'établissement et le personnel non enseignant doivent se rendre tôt sur leur lieu de travail afin de faciliter l'accès dans les établissements scolaires concernés par la campagne de vaccination. Les parents des enfants concernés par cet exercice doivent se présenter dans leurs établissements respectifs à partir de 9h30 d'après l'ordre alphabétique déjà établi. Stephen Obigadou a été traité avec dédain et mépris par le Premier ministre, affirmation d'Arvin Boulel. Le député rouge commentait ainsi l'annonce de la fermeture des écoles par la ministre Lila Devi-Dukan-Lachman dans le journal télévisé de la MBC hier et la déclaration du Premier ministre par intérim quelques minutes plus tard à l'Assemblée nationale à l'effet que la situation n'était pas chaotique dans les écoles. Pour Arvin Boulel, cela démontre clairement que Pravin Jugnauth a communiqué directement avec la ministre de l'Éducation, mettant ainsi Stephen Obigadou à l'écart. Quand elle est ministre, je suis à quoi le député Prime Minister peut faire la suppléante. Il a tous les pouvoirs du Premier ministre. Et quand le Premier ministre en voyage, même s'il est là pour communiquer, l'IPA outrepasse le Premier ministre par intérim et communique avec le ministre concerné, dans ce cas, Madame la ministre de l'Éducation. C'est un entorse à la démocratie parlementaire. C'est un manque d'égard, manque de respect vis-à-vis celui qui peut faire la suppléance et lui montrer comment on traite le Premier ministre avec le mépris et le dédain. Quand il peut répondre à une question concernant l'éducation, il peut dire que l'école n'est pas pour fermer. Dedans, la personne qui ne laisse les plumes, Obigadou, l'utilisant, exprime ce désaccord, la façon dont il traite. Et le Premier ministre par intérim n'a pas souhaité commenter les couacs d'hier. Cet après-midi, Stephen Obigadou et les membres de l'Assemblée nationale ont rencontré le professeur Philippe Sands au Vakji Hall. Vous le savez, le professeur Sands a travaillé sur le dossier Chagos. À l'issue de cette rencontre, le Premier ministre par intérim a affirmé que la bataille légale pour l'archipel des Chagos est largement gagnée. L'essentiel de son message, c'est que la bataille légale est largement gagnée. C'est-à-dire aujourd'hui, le fondement légal de la revendication de Maurice pour le retour de l'archipel des Chagos, l'infini établir à travers l'opinion de la Cour internationale de justice et la position de l'Assemblée générale des Nations unies. Maintenant, c'est un combat politique et diplomatique qui est continué. Le Premier ministre totalement impliqué dans ce combat-là, et c'est un combat permanent, donc le gouvernement régulièrement briefé. Le remorqueur Sir Gaëtan n'était pas apte à prendre la mer. Aveu de taille de Kavidev Neu, l'adjoint au Portmaster devant la cour d'investigation sur le naufrage du remorqueur cet après-midi. Le capitaine Neu est revenu en détail sur l'accident qui a coûté la vie à 4 personnes le 31 août 2020 au large de Poudre d'Or face à l'ex-juge Angot et ses deux assesseurs. L'adjoint au Portmaster affirme avoir demandé au capitaine Binic de faire de son mieux chez Adjadou.
Le capitaine Néo est catégorique. J'ai donné aucune instruction pour l'opération de remorquage de la barge L'Ami Constant par le Sir Gaëtan. Ce jour-là, il était en congé, dit-il. Le capitaine Néo explique qu'en début de soirée, ce jour-là, il a reçu un appel du capitaine Mossadegh Binik qui l'a informé que l'état de la mer s'était détérioré et qu'il rencontrait des difficultés. L'adjoint au portmaster lui a alors demandé pourquoi il avait quitté le port et s'il avait pris en considération les conditions météorologiques. Selon ses dires, le capitaine Binik lui a affirmé que tout se passait assez bien, sauf qu'un câble utilisé pour le remorquage avait lâché. Répondant aux questions de l'ex-juge Angot, le capitaine Néo a finalement concédé que le remorqueur n'était pas apte à prendre la mer, mais qu'il n'y a eu aucune directive de la MPA pour ne pas utiliser le remorqueur. Le capitaine Néo, pour rappel, avait été inculpé au domicile involontaire en septembre de l'année dernière. Il est soupçonné d'avoir donné des instructions pour que le remorqueur retourne au port malgré le mauvais temps. Quatre employés de la Mauritius Port Authority, dont le capitaine Binik, ont péri dans ce naufrage. Le Sir Gaëtan faisait route de Pointe-Destiny à Port-Louis après les opérations auprès du MV Wakasho. La Cour suprême a ordonné ce mercredi d'ignorer deux des six pages mises en avant par la commission d'enquête sur la drogue contre l'inspecteur de police Mohamed Assad Rajab. Les juges Rita Tilak et Karuna Devi Ganesh Palagi ont ordonné d'ignorer un premier passage du rapport où il est dit qu'un suspect dans l'affaire Gros Derek a témoigné devant la commission d'enquête à l'effet qu'il a vu des agents de l'ADSU de Plaine Verte s'approprier de la drogue saisie et la remplacer par du glucose. Elles ont aussi ordonné à ce que le passage traitant des allégations de plagiat portées contre le policier en faisant référence à ses examens de droit à l'étranger soit ignoré. Je vous retrouve après cette pause. Ou nouveau brossier digital. Top top promo, belle belle seul et joli joli cadeau, Zispou. Dépi ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. En seule l'adresse www.iflip.mu. Ifi Plus, lien service, le défi Media Group. Ifi Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. La liste des nominés pour le prix Reporters sans frontières 2021 pour la liberté de la presse est désormais connue. Ce prix sera décerné le 18 novembre prochain. Des journalistes de 11 pays ont été retenus dans trois catégories, le courage, l'impact et l'indépendance du journalisme. Le jury de cette 29e édition sera composé de plusieurs journalistes et défenseurs de la liberté d'expression du monde entier. Quatre nominés par catégorie ont été choisis, soit 12 au total parmi 6 journalistes, dont 4 femmes et 6 médias ou organisations de journalistes. L'Assemblée de Dieu du Centre Flac organise une exposition ayant pour thème l'Église et sa destinée. L'événement se tient depuis ce matin et ce jusqu'à vendredi dans le bâtiment Lissing, à Centre de Flac, tout près de la cour de district de Flac. Dans le cadre de l'exposition, un séminaire de 3 jours a également été organisé. Alors, le thème de sa exposition-là, c'est l'Église et sa destinée. Il raconte un petit peu l'histoire de l'Église du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire quand on dit la fin, c'est la fin du monde, l'enlèvement, et même après l'enlèvement, ce que la Bible, la parole de Dieu, enseigne nous pour nous. Alors, nous pouvons inviter les autres pour une visite exposition, et en même temps, les autres capables de tirer photo, poser un petit peu de questions, gagner un petit peu plus d'explications sur l'Église et sur toutes les choses qui concernent l'Église et ce destiné. Malheureusement, la cause Covid, nous ne sommes pas capables d'autoriser la foule rentrée dans l'église, mais seulement dans le lieu de l'exposition.
nous prenons un garde en distanciation pour des masques, sanitaires, etc. Comme je le connais. Maurice participe actuellement à l'exposition universelle Dubaï Expo 2020 aux Émirats Arabes Unis. Le pays présente son histoire, sa culture et son économie aux millions de visiteurs attendus. Le Défi Média Group a visité l'exposition et n'a pas manqué de passer par le pavillon de Maurice. C'est un reportage de Patrice Donzulo. Dubaï aux Émirats Arabes Unis accueille actuellement la 34e exposition universelle. Dubaï Expo 2020 devait initialement se tenir du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Mais l'événement a été reporté du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. 192 pays sont représentés à cet événement culturel et commercial. Maurice dispose de son pavillon décoré à l'extérieur par des portraits représentant les différentes communautés du pays. Il découvre l'histoire de Maurice, notre histoire que nous racontons à travers le concept et le design du pavillon. Ça raconte l'histoire de nos ancêtres qui ont débarqué à Maurice des siècles de cela et qui ont tout construit de zéro. Donc nous montrons tout le cheminement qu'on a fait depuis leur arrivée jusqu'à maintenant et aussi montrer au monde, pas uniquement au pays du Golfe, les Émirats, tout le monde, que nous sommes le peuple arc-en-ciel et que nous avons aussi des opportunités d'investissement. Les expositions universelles sont organisées tous les 5 ans environ par des pays différents à travers le monde. La première édition s'est tenue en 1851 à Londres. C'est pour l'exposition universelle de 1900 que la Tour Eiffel a été construite à Paris. Les pays hôtes profitent de ces événements qui accueillent des millions de visiteurs pour promouvoir leur économie et leur développement. L'Expo universelle se tient tous les 4 ans, 5 ans. Donc le prochain se tiendra au Japon. Donc c'est l'occasion de démontrer les capacités d'un pays, son savoir-faire, son secteur économique, son peuple, et de faire découvrir aux visiteurs, par exemple, en l'occurrence c'est le cas ici à Dubaï, 192 pays dans un seul endroit. Certains pays créent de véritables bijoux d'architecture. C'est par exemple le cas à la Dubaï Expo de l'Arabie Saoudite, de la Chine, de l'Égypte et de la Suisse, pour n'en citer que quelques-uns. L'heure du départ a sonné, la Veshkedou Akshaydin Naek et Jean-Philippe Sansfasson s'envolent pour l'Égypte ce soir dans le cadre de la 2e édition des championnats d'Afrique de Muay Thai qui se tiendront du 11 au 14 novembre. L'objectif des Mauriciens est de décrocher un podium, soutient l'entraîneur Vimen Sabapati. Nos trois boxeurs, Jean-Philippe Sansfasson, la Veshkedou et Din Naek, fin prêt pour le grand départ pour l'Égypte dans le cadre de la 10e édition championnat d'Afrique. Et l'objectif, c'est nous monter un podium et nous ramener utiliser le Maurice une médaille. Et malgré compétition, un niveau très haut, quand nous prenons une dizaine de pays qui peuvent participer, nous bons boxeurs pour donner un maximum de autres pour défendre dignement nos quadricolores mauriciens et réaliser une bonne performance en terre égyptienne. Préparation fin bien passée. Nous bons boxeurs physiquement et mentalement sont corrects. Malheureusement, nous avons réussi à gagner une distance pour nos bons boxeurs en Thaïlande à cause de la pandémie Covid. Et je tiens à remercier tous nos bons sponsors, nos bons partenaires qui finissent de nous un gros coup de main, un gros soutien. Sans eux, nous ne pourrions pas faire le déplacement. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous.